Voilà, donc là, je viens d'ouvrir la première ruche. Eh bien, voilà, belle surprise, pleine de miel. Donc, ben, il faut absolument en urgence que je pose une hausse, ce que je vais faire. Voilà, on voit ce beau miel bien doré là. Et puis les abeilles qui sont dessus, elles sont calmes, hein, elles sont relativement calmes. Mais bon, le miel, il y en a beaucoup. Donc, il faut poser une hausse, ça c'est l'urgence maintenant. Voilà, donc, je viens de poser la hausse. Donc dessous là, nous avons la ruche où il y avait tout ce miel. Donc là, je leur ai mis des cadres à bâtir. Voilà, vous voyez, les abeilles commencent déjà d'ailleurs à monter sur la hausse. Elles vont bâtir. En dessous, on voit très bien la ruche avec le miel. Elles vont bâtir et ensuite elles vont stocker du miel en haut, de manière à ce que la reine ne s'arrête pas de pondre en bas, parce que on a un risque, c'est que s'il y a trop de miel, la reine fasse un arrêt de pondre, ce qu'on appelle un arrêt de pondre. Donc la ruche vue de devant avec la hausse. Donc on voit bien les deux étages de hausse. Alors là voilà, après la pose de hausse, les trois ruches qui sont avec un corps plus une hausse au-dessus. Là, je viens de poser donc les hausses sur ces trois ruches, en espérant qu'on aura un petit peu de miel. Bon, il y en a une qui est plus forte que les autres. C'est la première là qu'on a vu tout à l'heure. Les autres, ça va, elles sont pas mal, mais bon, il n'y a pas autant de miel que dans la première. Voilà, et pour finir, voilà la ruche bipasse avec sa hausse. Donc on voit bien ici en bas le corps et aussi dessus là la hausse que j'ai rajoutée tout à l'heure. Bon, la ruche est forte aussi, il n'y a pas de souci. Donc, tout va aller bien, il n'y a plus qu'à.